qualifié semble utile le numéro 5 en début de parcours. Les concurrents qui se dirigent déjà vers l'avant-dernier tour. Non, ça va bien en tête pour l'As des As, le numéro 11 qui a l'avantage depuis le départ. Lovely Gazelle, le numéro 8, est toujours dans son sillage avec sur une troisième ligne à la corde. Left Wall, numéro 10, qui est en troisième position. Belle progression toujours à l'extérieur pour l'Istud. Voiron, le numéro 3, qui est quatrième. On lui emboîte le pas avec Lord de Trapas, le numéro 7, qui se rapproche tout doucement des premiers. Il vient désormais en cinquième position. On patiente pour le moment avec le numéro 12, Legacy Giel, qui est 6-7e avec dans son dos l'Ordre de la Futée, le numéro 6. Miline d'en face, toujours le numéro 11, l'As des As qui a l'avantage, le numéro 3, Listed Voiron, qui est en deuxième position. Troisième à l'accord, toujours Lovely Gazelle, le numéro 8, qui est bloqué pour le moment avec dans son dos Lève-toi, le numéro 10, qui est en 4-5e position. On progresse désormais avec Legacy Giel, le numéro 12. Bloodline d'en face, les concurrents qui vont désormais pénétrer dans le tournant final avec l'As des As, le numéro 11 et Florian Desmigneux, qui vont tenter de s'imposer de bout en bout dans leur dos. Toujours Lovely Gazelle, le numéro 8, qui est en deuxième position. En troisième position à l'extérieur, on a le débutant, le numéro 3, Listed des Voirons, qui est toujours donc troisième à l'extérieur. Les concurrents qui vont bientôt sortir du tournant final. Ça va toujours bien en tête pour l'As des As, le numéro 11, qui tente de se détacher du reste du peloton et qui a toujours l'avantage sur le numéro 8, Lovely Gazelle, qui se lance à sa poursuite désormais en deuxième position. En troisième position à la corde, on a le numéro 10, Lève-toi, le numéro 3, et troisième pour le moment à 250 mètres du poteau désormais, le numéro 11, l'As des As, qui repart pour le moment sous l'attaque du numéro 8, Lovely Gazelle, qui finit fort en deuxième position devant le numéro 10, Lève-toi, à 100 mètres du poteau désormais, le numéro 11, l'As des As, qui repart de plus belle et qui va ouvrir son palmarès aujourd'hui associé à Florian Desmigneux. Deuxième place pour le numéro 8, Lovely Gazelle. Troisième place pour le numéro 10, Lève-toi. Et quatrième place en retrait pour le numéro 12, Legacy Giel. Allez, avec le retour des concurrents de cette première épreuve et donc une victoire pour l'As des As, le numéro 11, qui ouvre son palmarès aujourd'hui sur l'hippodrome de Strasbourg. Deuxième place pour le numéro 8, Lovely Gazelle. Troisième, le numéro 10, Lève-toi. Quatrième, le numéro 12, Legacy Giel. Et cinquième, le numéro 3, Listed Voiron. 11, 8, 10, 12 et 3, arrivée toujours provisoire de cette première épreuve. Florian Desmigneux qui remporte cette course. On va lui demander un petit mot rapide, on va le retrouver dans la deuxième. Florian, bonjour, bravo pour cette belle victoire. Le cheval l'a fait facilement pour ouvrir son palmarès aujourd'hui. Ouais, l'autre jour c'était pas ça, mais là aujourd'hui il était vraiment bien à son boulot avec quelques réglages et c'était parfait. Dans la deuxième, on vous retrouve avec le numéro 8, Keeper B. Vous avez fait le 8? J'ai fait le 8, ça allait, mais c'est une rentrée, donc ça va être dur, je pense. On va suivre ça. Merci beaucoup, Florian. On vous libère. On le retrouvera donc dans la deuxième épreuve. Je vous rappelle l'arrivée encore provisoire. 11, 8, 10, 12 et 3. Allez, départ validé pour la première course du jour. Le prix de Montier-Andert, course aux trois ateliers, il y a 2200 mètres à parcourir. 12 chevaux au départ, avec un départ manqué pour un concurrent. Il s'agit du numéro 5, Lola Sanmixo, qui a pris un très mauvais départ et qui est pratiquement hors course. Les concurrents qui se dirigent dans le premier tournant, donc avec le meilleur départ pour le numéro 11, l'As des As, qui a pris tout de suite l'avantage avec dans son dos le numéro 8, Lovely Gazelle, qui est donc en deuxième position. En troisième position, on retrouve Lève-toi, le numéro 10. Un petit peu plus loin, on note la présence du numéro 7, Lord Trapassou. Concurrents qui sortent du tournoi et qui vont bientôt passer devant les tribunes avec le numéro 11, l'As des As, qui a l'avantage. Toujours dans son sillage, le numéro 8, Lovely Gazelle, qui est en deuxième position avec dans son dos le numéro 10, Lève-toi, qui est troisième. Le numéro 7, Lord Trapassou, vient un petit peu plus loin avec à son extérieur Listed Voiron, le numéro 3, qui progresse à cet instant. Alors qu'on a disqualifié, semble-t-il, le numéro 5 en début de parcours. Les concurrents qui se dirigent déjà vers l'avant-dernier tour. Non, ça va bien en tête pour l'As des As, le numéro 11, qui a l'avantage depuis le départ. Lovely Gazelle, le numéro 8, est toujours dans son sillage avec sur une troisième ligne à la corde. Lève-toi, le numéro 10, qui est en troisième position. Belle progression toujours à l'extérieur pour l'Istud Voiron, le numéro 3, qui est quatrième. On lui emboîte le pas avec Lord Trapas, le numéro 7, qui se rapproche tout doucement des premiers. Il vient désormais en cinquième position. On patiente pour le moment avec le numéro 12, Legacy Giel, qui est 6-7e avec dans son dos l'Ordre de la Futée, le numéro 6. Miline d'en face,
Toujours le numéro 11, l'As des As qui a l'avantage. Le numéro 3, Liste de Voiron, qui est en deuxième position. Troisième à la corde, toujours Lovely Gazelle, le numéro 8, qui est bloqué pour le moment avec dans son dos Lève-toi, le numéro 10, qui est en 4-5e position. On progresse désormais avec Legacy Giel, le numéro 12. Bloodline en face, les concurrents qui vont désormais pénétrer dans le tournant final avec l'As des As, le numéro 11 et Florian Desmigneux, qui vont tenter de s'imposer de bout en bout dans leur dos. Toujours Lovely Gazelle, le numéro 8, qui est en deuxième position. En troisième position à l'extérieur, on a le débutant numéro 3, Listed des Voirons, qui est toujours donc troisième à l'extérieur. Les concurrents qui vont bientôt sortir du tournant final, ça va toujours bien en tête pour l'As des As, le numéro 11 qui tente de se détacher du reste du peloton et qui a toujours l'avantage sur le numéro 8, Lovely Gazelle, qui se lance à sa poursuite désormais en deuxième position. En troisième position à la corde, on a le numéro 10, Lève-toi, le numéro 3 est troisième pour le moment à 250 mètres du poteau désormais, le numéro 11, l'As des As qui repart pour le moment sous l'attaque du numéro 8, Lovely Gazelle, qui finit fort en deuxième position devant le numéro 10, Lève-toi, à 100 mètres du poteau désormais, le numéro 11, l'As des As qui repart de plus belle et qui va ouvrir son palmarès aujourd'hui associé à Florian Desmigneux. Deuxième place pour le numéro 8, Lovely Gazelle. Troisième place pour le numéro 10, Lève-toi. Et quatrième place en retrait pour le numéro 12, Legacy Giel. Arrivée provisoire de cette première épreuve, victoire pour le numéro 11, l'As des As. Deuxième, le numéro 8, Lovely Gazelle. Troisième, le numéro 10, Lève-toi. Quatrième, le numéro 12, Legacy Giel. Et cinquième, le numéro 3, Listed Voiron. Arrivée provisoire, 11, 8, 10, 12 et 3.